Amis de la radio-télévision Kimbanguisto, bonjour et merci de votre disponibilité pour suivre avec beaucoup plus d'intérêt l'émission spéciale magazine centenaire de ces jours. En toute évidence, nous vous avons proposé une thématique aussi plus alléchante qu'elle peut être, à savoir le kimbanguisme à 100 ans d'existence, quelle réalité. Et bien sur ce plateau spécial centenaire, nous aurons deux invités à qui nous avons tendu la perche et qui ont répondu sans moindre tergiversation. Il s'agit bien du révérend Lusikila Makananu Jean et du diacre Mabilama Wila François. Ces deux figures de proue prestent au sein du département de la presse et information kimbanguiste, presqui en sigle. De Genèse à l'Apocalypse, les Saintes Écritures nous révèlent toujours que la foi permet à la promesse de Dieu de s'accomplir en dépit du temps que cela peut prendre. Voilà ce qui a fait de Papa Simon Kimbangu le père de la promesse pour rendre possible la réhabilitation de la race noire. Bonjour et bienvenue à ce plateau spécial centenaire. Avec vous, nous allons parler aujourd'hui du kimbanguisme 100 ans d'existence, quelle réalité. Bonjour Papa Révérend Jean Lusikila. Bonjour confrère. Bonjour Papa François Mabilama. Bonjour Papa Flavien Kiwaka. La première question revient au Révérend. Révérend Jean Lusikila, qui est Papa Simon Kimbangu? Où et quand est-il né? Merci, n'est-ce pas, de la question que vous me posez, confrère Kiwaka. Je vous dirai tout de suite que l'histoire de l'esprit de vérité est liée, n'est-ce pas, à un peuple du royaume Congo d'Antotila, qui comprend, n'est-ce pas, les trois pays, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa et Congo-Angola. Mais le problème se pose à quel niveau? Parce que nous ne pouvons pas parler tout de suite là, tout simplement, de Simon Kimbangu, ou de vous répondre de Kimbangu, sans pour autant se référer, n'est-ce pas, à Mama Kimpavita. D'abord, je vous dirais que les missionnaires sont arrivés, n'est-ce pas, les missionnaires européens sont arrivés dans le royaume Congo, mais ils ont causé beaucoup de dégâts, de destruction même, de désolation au peuple congolais. Alors, ces fameux missionnaires, n'est-ce pas, au lieu d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, ils avaient plutôt, n'est-ce pas, servi de tremplin, tout simplement, pour l'intensification de l'esclavagisme des Noirs, le vol des matières premières qu'ils ont trouvées, n'est-ce pas, dans ces pays, et que savons-nous encore? Alors, tout est parti de là. Alors, la détresse que le peuple a connue a été annoncée, a été plutôt combattue par Mama Kimpavita à partir de l'Angola. Elle avait parlé, n'est-ce pas, de cette détresse. Cette détresse est allée comment? Parce que, même dans la Bible, c'est écrit que Jésus avait annoncé qu'il allait, n'est-ce pas, envoyer au peuple qui connaissent les difficultés, donc les Noirs, au peuple noir que nous sommes, n'est-ce pas, il avait annoncé qu'il allait nous envoyer un consolateur. Ce consolateur extraordinaire et spirituel, il s'agit bien de Papa Simon Kimbangu. Il s'agit bien de Kimbangu dont vous me posez la question. Il est arrivé. Maman Béatrice de l'Angola, il avait annoncé ça. Alors, tout de suite après, vous le savez très bien qu'elle fut brûlée. C'est l'histoire reconnue de tout le monde. Que Kimpavita, Ndona Béatrice, a été brûlée vive avec son fils au dos. Il avait annoncé que, malgré ce que vous me faites, parce que vous verrez que, n'est-ce pas, dans les années à venir, à l'avenir, Simon Kimbangu ou Kimbangu viendra toujours. C'est Kimbangu-là avec lequel, n'est-ce pas, on l'avait brûlé.
Et c'est ce que nous avons connu aussi. Kimbangu est sorti, n'est-ce pas, de Bangu. De Bangu chez nous ici, là. Il est né en 1887, le 12 septembre. Il est né. Et puis, il a commencé son travail, n'est-ce pas, en 1921, en Kamba. Donc, l'histoire est connue de tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire pour cette question que vous m'avez posée tout à l'heure, là, dans un premier temps. Papa Révérend, vous avez dit que Papa Simon Kimbangu est parti de l'Angola avec l'histoire de maman Kimpavita. Exactement. Voulez-vous nous dire que Simon Kimbangu d'aujourd'hui, c'est l'enfant que maman Kimpavita portait sur son dos, ou c'est ce pigeon-là qui était sorti de la fourneuse du feu pour s'envoler et, au nord de l'Angola? Donc, le pigeon dont vous parlez, n'est-ce pas, ça fait partie du mystère qui s'est produit ce jour-là. Il est parti et tout de suite là, maman Kimpavita a annoncé que vous l'oublierez, mais de toute façon, Simon Kimbangu reviendra encore. C'est lui qui a mission, n'est-ce pas, de libérer le peuple noir qui souffre avec, n'est-ce pas, cette colonisation que vous nous avez imposée. C'est ça, donc, la question que vous me posez, je vous réponds tout de suite que oui, justement, c'est celui-là qui est parti, qui était brûlé ensemble avec sa maman. Oui, il était brûlé ensemble avec sa maman, mais où est-il né? Oui, papa Simon Kimbangu est né à Bangu. Bangu, c'est vers Kamba là-bas. Il est né, n'est-ce pas, en Kamba le 12 septembre 1887. C'est là où papa Simon Kimbangu est né. Donc il est né en Kamba, dans le secteur de Ntimanti, district de Cataracte, dans le Congo central. C'est là où il est né. Vous parlez de Bangu, vous parlez de Nkamba, deux villages différents? Non. Bangu, ce n'est pas le village. Le village, c'est Nkamba. Mais c'est la région de Bangu à cette époque-là. On appelle ça jusqu'après venu contre. Oui, on appelle le secteur de Bangu. Maintenant, quand est-ce qu'il est né? Justement, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il est né le 12 septembre 1887 de Papa Kouyela et de Maman Louise, ce sont ses parents. Parce que certaines personnes disent que voilà, Simon Kimbangu, il est venu, je ne sais pas, il n'est pas net, patati, mais il avait son père Kouyela et sa mère Maman Louise, au même titre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, n'est-ce pas, était né de sa mère Maman Marie et puis de son père Joseph. C'est la même chose. Des personnes hautement spirituelles, mais qui sont nées. Si Jésus l'appelle aujourd'hui Dieu, oui, parce qu'il était né aussi, il avait un père, il avait une mère. Papa Simon Kimbangu également, il a un père, il a son père à lui, qui est Papa Kouyela, et sa mère, Maman Thérèse Louise. Papa Diacre François Mabilama, vous venez de suivre la réponse du révérend Jean Lusikila. Qu'est-ce que vous en dites de cette question? Merci beaucoup, Papa Flavien. Je crois, j'ai suivi Papa Jean Lusikila, le pasteur, religieusement, des différentes réponses qu'il vous a données à propos de la question que vous avez posée. Mais je crois que je ne sais pas aller à fond de ce qu'il a dit. Il a déjà tout dit par rapport à Ndona Béatrice Kimpavita. Mais moi, je vais quand même aux petites définitions, aux petites significations simples que les téléspectateurs peuvent retenir aujourd'hui. Dans un premier sens, nous disons que Papa Simon Kimbangu et les révélateurs des choses cachées. C'est facile. On peut encore dire quelque part, c'est le libérateur des peuples opprimés. C'est facile. C'est le sauveur de l'homme noir. C'est très facile d'ailleurs. Ailleurs, quand vous allez là où il a commencé sa mission, on dirait qu'il fut un prédicateur qui fut qualifié à tort des fondateurs du kimbanguisme. Donc, plus loin, nous disons en nous référant à la Bible, parce que Simon Kimbangu dont nous parlons aujourd'hui, il s'est référé à la Bible. C'est grâce à la Bible même qu'il a fondé sa mission. C'est grâce à la Bible même qu'il a créé ce kimbanguisme. Et quelque part, on nous dira que Papa Simon Kimbangu, c'est l'incarnation du Saint-Esprit promis par Jésus-Christ. Je crois que pour pallier à ça, nous allons nous référer à la Bible, Jean 14, 16 à 18. Si nous voyons même à Jean 14, 26, nous aurons une réponse claire et nette qui nous dit que voilà, c'est l'incarnation que Jésus-Christ nous a promis. Et c'est dans le même sens que nous allons dire que cette incarnation dont nous parlons de Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit,
est toujours avec nous jusqu'à aujourd'hui. Parce que lui-même l'a dit qu'il naîtra en 1918, qui était papa d'Anguinda Koundima Joseph. Et il naîtra encore en 1951. C'est papa Simo Kimbangu Kyangani qui est aujourd'hui avec nous. Là, nous pouvons le témoigner parce que nous nous référons toujours à la Bible. Quand nous lisons Jean 16, 12 à 13, et là, il nous témoigne directement que voilà, le Saint, il sera avec nous. Il ne parlera plus de lui-même. Il nous parlera des choses cachées. Il va nous révéler de ce qui va arriver. Et voilà, c'est aujourd'hui que nous avons cette continuité du Saint-Esprit dont les disciples attendaient, dont Jésus-Christ a promis aux disciples, c'est papa Simo Kimbangu. Pour enchérir toujours par rapport à ce qu'il nous a dit aujourd'hui, papa Simo Kimbangu est né en Kamba, avec précision, parce que nous parlons d'un Kamba aujourd'hui, qui est, il est né en Kamba un certain 12 septembre 1887. Un Kamba se situe aujourd'hui dans le secteur d'Intimansi, territoire de Mbanzangungu, dans le Congo central, plus précisément en République démocratique du Congo. Je crois que c'est par rapport à sa naissance. Et si on peut compléter toujours à sa naissance, parce que nous parlons de la naissance, là nous parlons de sa naissance biologique, mais il est né de nouveau parce qu'il était chrétien. C'est parmi les naissances. Il fut baptisé chrétien protestant à Ngombelutete en 1915 à l'âge de 28 ans. Il était formé pour devenir catéchiste. Et les protestants a découvert en papa Simo Kimbangu beaucoup de choses. Comme un homme bon, qui était rangé, qui lisait sa Bible et qui accomplissait consciencieusement son travail. Voilà la petite réponse que je peux vous donner par rapport à papa Simo Kimbangu. Donc, si j'ai pu me résumer, j'ai dit au début, c'est juste un révélateur des choses cachées, un libérateur des peuples opprimés, un sauveur de l'homme noir. Et c'est l'incarnation dont tout le monde attendait du Saint-Esprit. Voilà la réponse par rapport à la question que vous venez me poser. Papa révérend Jean Le Sikila, Papa François vient de nous dire ici que Papa Simo Kimbangu est le révélateur des choses cachées, c'est lui le Saint-Esprit, c'est lui la promesse de Dieu qui s'est accomplie. Mais pour vous, en tant que révérend, quelle est la signification du nom Kimbangu et son originalité vient d'où? Merci, n'est-ce pas, de la question que vous me posez. Kimbangu, n'est-ce pas, c'est une puissance, je peux dire, c'est une puissance qui soulageait le peuple en détresse à l'époque. Mon confrère a dit que c'est le révélateur des choses cachées. C'est une puissance. Que ce soit en Angola, à Brazzaville, même ici chez nous, nos aïeux ont vécu ce que Papa Simo, ce que le nom de Kimbangu traduisait, n'est-ce pas, dans les faits. Aujourd'hui, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, un enfant qui meurt, c'était à l'époque. Mais il suffit tout simplement d'évoquer le nom de Kimbangu, cet enfant, n'est-ce pas, partait de la mort à la vie. C'est ça la signification du nom de Kimbangu, révélateur des choses cachées. Et ce nom disait déjà quelque chose à cette époque-là. C'est là où nous trouvons, n'est-ce pas, cette puissance, cette force-là qu'a Kimbangu, le nom de Kimbangu dont vous me posez la question ici. Mais d'où vient ce nom-là? Parce que dans la lignée familiale de papa Simo Kimbangu, aucune personne ne portait ce nom-là. Ce nom-là, exactement, provient d'où? Bon, en tout cas, je vous dirais tout simplement que ça fait partie du mystère. Effectivement, dans sa famille, il n'y avait pas un vieux et un aïeux, parce que chez les Bakongo, c'est toujours comme ça. On donnait des noms aux enfants, les noms de vieux, tout ça pour que ça puisse traduire un peu quelque chose dans la famille. Mais le nom de Kimbangu, Un nom mystérieux. Un nom qui a été donné comme ça. Même son papa, on lui avait posé cette question-là, mais il n'a pas pu vraiment répondre exactement pourquoi il a donné le nom de Kimbangu à son fils. C'est un nom qui disait, n'est-ce pas, ce nom-là qui révélait des choses cachées. C'est ça la signification profonde, n'est-ce pas, de ce nom-là. On n'a pas compris. Donc il a donné ça comme ça. Et ça, c'est le mystère caché de Dieu. Voilà. Nous pouvons dire que le papa de papa Simo Kimbangu, lui aussi, était inspiré. Bon, c'est Dieu qui lui a révélé ce nom. En quelque sorte, oui. Parce que vous savez que Dieu s'est sondé. Dieu, avant que vous puissiez naître, n'est-ce pas, Dieu sait ce que vous allez devenir. Donc c'est parti de là, je crois. C'est parti de là que vraiment,
le nom de Kimbangu, le papa de Kimbangu, n'est-ce pas, avait donné le nom à son fils. Ce nom, il n'a pas fait ça. Il a fait ça, je ne sais pas si au hasard, mais ce nom est venu comme ça, parce que ce nom n'existait pas dans la région. Donc c'est pourquoi je vous dis que c'était un mystère de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Et c'est une richesse pour la RDC. Naturellement, c'est une richesse, oui. Bien. Papa Révérend, vous venez bien de nous rafraîchir la mémoire sur l'originalité du nom et la signification même du nom de Kimbangu. Mais maintenant, là, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que chaque enfant qui naît, il y a quand même des gens qui le voient, mais est-ce que lors de la naissance de Papa Simon Kimbangu, vous pouvez nous dire s'il y a un témoin qui était là, qui l'a vu naître? La naissance de Papa Simon. Si vous avez quelque chose dans ce sens-là. Un témoin qui était là au moment où Papa Simon Kimbangu était né. Oui. Jusque-là, en tout cas, je n'en sais pas grand-chose en tout cas. Papa François Mabilama, vous êtes diacre. Vous connaissez aussi assez de Papa Simon Kimbangu. Mais vous venez de suivre le révérend. Est-ce que vous pouvez vous aussi nous dire, soit enrichir sur la question qu'on lui a posée, juste celle de savoir si là où naissait Papa Simon Kimbangu, il y avait un témoin oculaire qui pouvait aujourd'hui nous dire, voilà, moi j'étais présent, je l'ai vu naître. Et est-ce que vous pouvez nous dire si réellement vous connaissez un témoin? Merci beaucoup pour la question. Je crois que papa a bien répondu, mais jusqu'ici, parce que nous avons fouillé les archives, nous avons consulté ceux qui ont existé avant nous, jusqu'ici, il n'y a pas encore un témoin qui a vu là où est né Papa Simon Kimbangu. Papa François Mabilama, nous sommes toujours avec vous. Papa Simon Kimbangu est devenu aujourd'hui une personnalité spirituelle célèbre de par le monde. Et c'est à cause de ces miracles qu'il a opérés, et c'est à cause de sa divinité, comme nous le disons aujourd'hui, qu'il est le Saint-Esprit, ou c'est en raison de sa propre personnalité, en quoi il est reconnu célèbre, Papa Simon Kimbangu? Merci beaucoup, Papa Flavien. Je crois que la question est bien posée. Vous avez posé une question, mais quelque part en français nous disons, celui qui pose la question une partie de la réponse. Vous avez déjà donné quelques réponses à la question posée. Parce que tout en disant que c'est parce qu'il y a, à cause des miracles qu'il a produits, c'est comme ça qu'il est reconnu. Oui, ces miracles aussi font partie pour qu'il soit reconnu dans le monde entier. Parce qu'il a opéré des miracles. Il a guéri, donc dans les miracles, il a guéri les malades, il a ressuscité des morts. Mais il a fait beaucoup de choses. Parce que quand nous parlons de Papa Simon Kimbangu aujourd'hui, nous ne voyons plus le Papa Simon Kimbangu que nous voyons de la RDC. Nous voyons le Papa Simon Kimbangu, l'incarnation dont le Christ a promis aux apôtres. Et quand Christ est promettait aux apôtres, ce n'est pas pour que ce Papa Simon Kimbangu soit congolais, non. C'est un Papa Simon Kimbangu qui est patrimoine mondial. C'est dans ce sens, par ses miracles, par son savoir-faire, par tout ce qu'il a fait, il a apparu dans plusieurs pays du monde. Il a intervenu dans plusieurs pays du monde pour que ces pays soient indépendants. C'est comme ça que nous l'appelons quelque part sauveur de l'homme, le sauveur de l'homme noir. Et il est venu libérer les peuples opprimés. Et c'est grâce aussi à ses enseignements. C'est grâce à ses enseignements. Tout ce que Jésus-Christ a prêché, c'est le fondement même du kimbanguisme. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui Papa Simon Kimbangu est connu par le monde. L'histoire de Papa Simon Kimbangu nous renseigne qu'il a opéré plusieurs miracles. En tout cas, il y a eu avalanche de miracles, ça nous pouvons nous le dire, parce que nous savons qu'il a opéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de miracles. Mais parmi ces miracles opérés, nous voulons aujourd'hui, et ensemble avec nos téléspectateurs qui nous suivent, savoir les grands miracles que Papa Simon Kimbangu a opérés et qui lui ont rendu célèbre aujourd'hui. Oui, pour nous en tout cas, d'après nos recherches,
Papa Simon Kimbangu a ressuscité Mama Dina. 3 jours après sa mort, si certaines personnes ne croient pas, mais nous avons des témoins et des témoignages là-dessus. Au même titre que Jésus-Christ qui avait ressuscité Lazare. À côté de ces miracles-là, il y a ce qui a rendu célèbre Papa Simon Kimbangu, c'est l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est ce que, n'est-ce pas, les colonisateurs ont retenu. Donc jusque-là, Papa Simon Kimbangu, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est fait. Aujourd'hui, nous avons des autorités noires. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Un noir ne pouvait pas briguer, n'est-ce pas, un poste de responsabilité. Ça n'existait pas. Tous les postes de responsabilité étaient réservés à l'homme blanc. Mais aujourd'hui, l'homme noir, il est partout. Mais bien sûr, parce que vous n'étiez pas encore indépendant. Bien sûr, vous n'étiez pas encore indépendant, mais ça ne pouvait pas se passer de cette manière-là. Mais je vous dis que tout est parti de la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Nous parlons de la prophétie de Papa Simon Kimbangu qui avait annoncé que l'homme noir deviendra. C'est ce que nous vivons. Nous avons des chefs d'État qui sont devenus des noirs à l'époque. En tout cas, ça ne pouvait pas exister. Donc, il avait prédit. C'est ça le mystère. Il avait prédit ce que sera l'homme opprimé. Parce qu'à cette époque-là, comme vous le dites, n'est-ce pas, l'homme noir n'avait aucune considération auprès de l'homme blanc. Il n'avait aucune considération. La vraie prophétie, c'est ça. Parce que certaines personnes, quand ils dorment la nuit, ils rêvent, je ne sais pas quoi, le matin, ils se proclament prophètes. Mais qu'est-ce que vous avez prophétisé qui dépasse ce que Papa Simon Kimbangu avait fait? Mais il a dit, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est ce que nous vivons. Voilà. C'est le plus grand miracle, en tout cas. Il a dit et ça s'est réalisé. Oui, ça s'est réalisé. Papa Simon Kimbangu, ça vous le savez, on ne va plus encore répéter cela. Il a été jeté dans l'eau, sur le fleuve. Mais il a repris vie. Oui. Il a marché sur le fleuve. Oui. Mais c'est... là, les gens ont vu. Il y avait même des prêtres qui ont vu Papa Simon Kimbangu marcher sur les eaux du fleuve Congo. Mais dans la Bible, on nous dit tout simplement de croire, d'avoir la foi que Jésus avait marché sur le fleuve. Mais avec Papa Simon Kimbangu, le fait était palpable. Tout le monde a vu, a vécu. Deuxièmement, Papa Simon Kimbangu est décédé en 1951, ça tout le monde le sait. Mais jusqu'aujourd'hui, il continue à apparaître. Il suffit tout simplement d'avoir cette foi-là, de prier, de demander, et vous le verrez. Nous-mêmes, moi-même, j'ai une preuve. En 1957, décédé en 1951, 1957, Papa Simon Kimbangu apparaît dans notre parcelle en Djili, sur Kinsembo numéro 20. Ici à Kinshasa. À Kinshasa, chez nous, dans la parcelle. En ce moment-là, il passait la nuit, c'est le chef coutumier de Kimbatse, qui est Papa Ngandu. Il a passé la nuit 3 jours en 1957. Et il est venu chez nous, dans notre parcelle. Papa Simon Kimbangu est entré, nous l'avons vu, moi je l'ai vu. Il m'a béni personnellement, il a posé sa main sur ma tête ces jours-là. On lui a offert, parce qu'il avait demandé de l'eau, on lui a offert, n'est-ce pas, un peu de... Parce qu'il y avait une petite manifestation, on lui a proposé du sucré. Il dit non, ma sanganyo se mokilio, je n'en prends pas. On lui donne de l'eau. Biloko se mokilio, je n'en prends pas. Voilà. Okay. Donc les miracles, il y en a par Ouago entier. En tout cas, les miracles, il y en a par Ouago entier. Mais nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, vous étaler tous ces miracles ici. Dans cette émission. Oui, ça, ce ne sont que quelques miracles. Voilà. Papa François Mabilama, le grand miracle est opéré par Papa Simon Kimbangu. Et depuis ce temps jusqu'à au moment où nous parlons. Merci beaucoup. Parce qu'il se révèle grand partout. Voilà, venez le dire, il se révèle grand partout. Nous prenons cette phrase-là. Pourquoi j'ai dit ça? Je crois que tous, ensemble avec vous, nous avons suivi Papa Jean Lusikila. Il nous a signifié les plus grands miracles. Et aujourd'hui, parce que nous parlons de Papa Simon Kimbangu, il a dit, il naîtra en 1918 et en 1951. Il est là avec nous, avec le même esprit. Et le même esprit en train de faire la même chose. Je suis le témoin vivant de ce qu'il a fait. Et moi-même, j'en ai aussi bénéficié. Simon Kimbangu, Saint-Esprit, révélateur des choses cachées. Oui, je me souviens en 2003... Pendant que j'étais en troisième graduat, j'avais un problème. Il vous a apparu? Non, Papa Simon Kimbangu est là vivant. Comment? Il a dit, je vais revenir en 1918 et en 1951. Et le Papa Simon Kimbangu dont nous vous parlons aujourd'hui, il est avec nous aujourd'hui au centre d'accueil kimbanguiste en la personne de Papa Simon Kimbangu Kyangani. C'est le même esprit. Ce n'est que l'enveloppe qui a changé. C'est le même esprit qui a été promis aux disciples.
C'est le même esprit qui est avec nous aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit les miracles continuent jusqu'aujourd'hui. Et parmi ces miracles, je fais partie des miracles. Les plus grands. Les plus grands. J'étais en troisième graduat. Les moyens étaient limités pour terminer les études. Nous avons effectué une tournée dans les différentes paroisses de la place pendant tout un mois. Et à la fin, je suis allé demander à papa, je dis « Papa, je n'ai pas l'argent pour payer les Minerval. » Il m'a tendu sa main. Il m'a dit « Je te donne le diplôme. Je vais en Kamba. À mon retour, tu auras des diplômes. » Curieusement, je suis allé à l'ISTA. Personne n'a payé les frais pour moi. Tout ce que j'ai fait était gratis. Je suis allé demander la lettre de stage. On m'a donné ça gratuitement. J'ai effectué les stages. On m'a payé là où j'ai fait les stages. Et curieusement, j'ai défendu, j'ai terminé la première session. Et le jour que papa Simon Kimbangu quitta Nkamba pour venir à Kinshasa, et ce jour-là, c'était le jour de résiliation des grades académiques. Je suis venu, quand je me suis agenouillé devant lui, il me dira, est-ce que tu as eu ton diplôme? Voilà. C'est là que j'ai dit, alléluia. Vous l'avez vu? Je l'ai vu. Physiquement? Physiquement. Il m'a... Il vous a parlé? Il m'a parlé, il m'a promis, ça s'est réalisé. Voilà les plus grands miracles. Il a parlé de Mama Dina qui a été restée. Et ça c'est pour... Mais bien pour le monde. Mais pour le monde, quand nous parlons des morts. N'est-ce pas? C'est le plus grand miracle. Parce que tout le monde se pose des questions. Comment on peut ressusciter un mort? Papa Simo Kimbangu Kiangani l'a fait à Matadi Mayo, aux yeux de tous. Je crois que les images sont là. C'est parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. Mais ami, à l'Outendele, il y a eu un grand miracle qui s'est... Beaucoup de miracles. Même un seul, mais plusieurs miracles à l'Outendele. Et parmi ces miracles, lesquels? Il a été mis dans un tonneau. J'étais là où un courant d'eau est insupportable. Mais on l'a vu marcher. Sur les eaux. Marcher sur les eaux. Et le tonneau est récupéré. Aujourd'hui, le tonneau servira d'exemple, de témoignages, de preuves, parce que le tonneau sera ramené dans les musées. Et qu'est-ce qui était dans ce tonneau-là? C'est là qu'on a mis de l'acide. On a mis l'acide? On l'a mis à l'intérieur. On a soudé et on l'a jeté dans l'eau pour qu'on ne parle plus de lui. Et finalement, il est ressorti. Il est sorti, il a marché sur les eaux. Un témoignage vivant que tout le monde a témoigné, que tout le monde en parle jusqu'à aujourd'hui. Et pour preuve, le tonneau est encore là. Si vous allez à l'Outendele, vous trouverez les chaînes, les tonneaux, qui sera dans les musées bientôt, et tout le monde va voir ça. Donc, Papa Kiwaka, et les chers téléspectateurs qui vous nous suivez aujourd'hui, Papa Simo Kimbangu a déjà tout démontré, pour dire au monde que le Saint-Esprit que tout le monde attendait, il est déjà là. C'est bien lui. C'est bien lui. Il est là, en train de travailler. Comme Jésus l'a dit, si tu crois seulement, tu seras sauvé. Voilà ma dernière phrase par rapport au miracle de Papa Simo Kimbangu. Et la RDC a été sauvée aussi de la même manière, à cause de ces miracles, à cause de ces enseignements. Aujourd'hui, tout le monde est en train d'évacuer à ses occupations, tout le monde occupe les places que les Blancs occupaient, et aujourd'hui les Noirs sont heureux parce que Papa Simo Kimbangu est né et il les a libérés. Papa Diacre François Mabilama, je sais que vous êtes aussi archiviste. Vous connaissez très bien l'histoire de l'église kimbanguiste parce que c'est pas n'importe qui doit être diacre. C'est un prédicateur. Papa François Mabilama, qu'est-ce que c'est le kimbanguisme? Merci beaucoup, Papa Flavien. Le kimbanguisme. On ne peut jamais parler du kimbanguisme sans Simo Kimbangu. Plus facile, on peut répondre. Le kimbanguisme, c'est l'idéologie de Simo Kimbangu. Le kimbanguisme, c'est la doctrine même de l'église kimbanguiste. Donc, le kimbanguisme en soi, un mouvement religieux messianique fondé en Kamba, un certain 6 avril 1921. Toujours le kimbanguisme, on peut dire un mouvement d'inspiration chrétienne qui a été fondé en Kamba. Pourquoi mouvement messianique? Pourquoi mouvement chrétien? Parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements qui s'est relevé à l'époque. Parce que quand l'église catholique est arrivée, l'église protestante est arrivée, beaucoup des églises aussi sont nées à cette époque-là. Il y avait cette difficulté-là de différencier les églises. Et on avait commencé avec les églises bantoues à l'époque. Mais les églises bantoues avaient pour l'idée d'abord les idées tribales. Dans les idées tribales,
Il voulait mettre tout le monde d'accord pour lutter contre le comportement des blancs. Et quelque part, Papa Simon Kimbangu est venu avec les mêmes idées. Là maintenant, c'était dans le cadre des églises prophétiques, dont ils avaient un prophète qui était le leader. Et le leader du kimbanguisme, c'était lui-même Papa Simon Kimbangu, qui a articulé sa formation, ce que nous appelons le kimbanguisme, dans la Bible. Il est arrivé dans la Bible, il a dit non. Parce qu'il est, comme je dis au début, il a été baptisé. Après avoir été baptisé, il a été formé pour devenir catéchiste. Et après avoir été catéchiste, c'est là qu'il a appris à prêcher. C'est là qu'il a compris la Bible. C'est là qu'il a dit que tout ce qu'on peut témoigner vient de la Bible. Et quand il a eu cet appel de Jésus-Christ, qu'il a promis, Jésus-Christ qui avait promis aux disciples de ce Saint-Esprit dont nous parlait, qui est lui-même Simon Kimbangu, qui a commencé sa mission. Il avait parlé de la destruction de tous les fétiches, de l'interdiction des danses du sans-ciel. Il a condamné, pardon, la polygamie et plusieurs choses qui étaient interdites à la Bible. Il en a parlé. Et grâce à ça, tout le monde qui le suivait religieusement avait compris que le Messie nous a mené un autre message par rapport à toutes les églises qui existaient de l'époque. Parce que j'ai bien dit, il y avait l'église catholique, protestante, qui était plus missionnaire. Mais il y avait aussi d'autres églises bantoues qui existaient, mais qui étaient purement tribales. Et ces églises-là, Simon Kimbangu est venu avec une autre forme d'église. Cette fois-là, c'était prophétique, dont lui-même était le leader, qui s'est appuyé dans la Bible en interdisant tout ce que la Bible a interdit. Il s'est appuyé pour convertir l'homme qui était dans le mal à comprendre, à faire toujours les biens. Et en faisant ses biens, toute cette idéologie, toute cette forme de conversion, toute cette foi qu'il a appris aux gens, c'est ce que nous appelons l'ekimbanguisme. Comme j'ai dit, un mouvement religieux, messianique, fondé par Papa Simon Kimbangu. C'est ça donc l'ekimbanguisme. C'est cette idéologie, cette forme de vie, cette forme de croyance, cette forme de diriger, cette forme de gérer. C'est ça l'ekimbanguisme dont nous nous appuyons dans la Bible. Donc Papa Dengenda lui-même, qui est aussi Simon Kimbangu dont nous parlons aujourd'hui, lui aussi l'a signifié. En 1981, on nous a rappelé encore des 10 commandements dédiés. Les 10 commandements dont nous lisons Exode, c'était un rappel quelque part dans Deutéronome. Et dans Deutéronome, c'était bien écrit que voilà ces lois dont nous parlons aujourd'hui. C'était une alliance, pas avec vos pères, pas avec vos ancêtres, mais avec vous qui êtes ici, avec vous que nous parlons ici. Papa Dengenda martèle là-dessus. C'est toujours dans la Bible. Et grâce à tout ça, ces préceptes, les 10 commandements dédiés, le kimbanguisme enseigné par Papa Simon Kimbangu, c'est ce qui fait la fierté. Tous ces enseignements, c'est ce que nous appelons l'ekimbanguisme. L'ekimbanguisme, c'est tout ce que. Toutes ces vertus-là. Oui. C'est ce que nous appelons l'ekimbanguisme. Fondé par lui-même, Papa Simon Kimbangu. Mais Papa Simon Kimbangu, Papa Révérend, il n'a pas laissé l'Église. Oui, vous dites que Papa Simon Kimbangu. Il n'a pas laissé l'Église. À cette époque, ouais. Papa Mabilama nous dit que c'était un mouvement qui combattait et qui voulait se comparer à d'autres mouvements qui pullulaient dans ce pays. Mais il n'a pas laissé l'Église. Non, je vous dis tout de suite que non, il n'a pas dit que ce mouvement combattait, non. Dès son apparition, n'est-ce pas, le kimbanguisme était d'abord un mouvement Bakongo. Vous comprenez? C'était d'abord un mouvement Bakongo dès son apparition. Parce que c'est un mouvement qui est sorti, n'est-ce pas, de Congo central, de Kamba. C'était d'abord un mouvement Bakongo dès son apparition. Alors, la plupart, parce que le Bakongo, n'est-ce pas, est subdivisé, n'est-ce pas, à plusieurs régions. Les Bakongo sont à Kinshasa. Les Bakongo, le Kikongo est à partir de Kinshasa jusqu'à l'océan. Les Bakongo sont à côté ici à Brazzaville. Voilà. Donc tout ça a favorisé que, n'est-ce pas, le kimbanguisme puisse exister. S'il faudrait compléter, n'est-ce pas, mon confrère à droite, ce qu'il a dit est bien vrai. Donc il fut d'abord un mouvement Bakongo. C'est comme ça que ce mouvement s'est étendu.
Lorsque, vous savez que les colonisateurs ont commis une erreur d'avoir arrêté Papa Simon Kimbangu, de l'avoir relégué. Partout où il partait, n'est-ce pas, il créait les Kimbanguistes. Il enseignait. Il enseignait les Kimbanguistes. Oui, son enseignement. Son enseignement, n'est-ce pas, s'est vivifié grâce, n'est-ce pas, à cette déportation, à cette relégation. C'est ce qui a aidé que l'église Kimbanguiste, n'est-ce pas, puisse aujourd'hui être une église dynamique. Tout ce qu'il a dit est tout à fait vrai et c'est comme ça. On peut dire que le kimbanguisme a tellement évolué, et de manière positive ou négative? Positif, pourquoi? Parce que maintenant nous allons fêter le centenaire de l'église kimbanguiste. Beaucoup d'églises, bon, moi je les appelle des églisettes, qui naissent le matin, le soir, et ces églisettes disparaissent. Et pourtant aujourd'hui, le kimbanguisme a 100 ans, ok? Aura bientôt 100 ans. Deuxièmement, vous savez que le kimbanguisme comme tel, n'est-ce pas, la création de l'église kimbanguiste a connu des difficultés terribles. Ailleurs, ça ne se fait pas comme ça. Ils étaient arrêtés, ils étaient relégués, on les a fait une porte pendant une cinquantaine d'années. Papa Révérend, oui. La relégation, nous parlerons ça dans un autre numéro. Qui va suivre, mais une toute petite question à Papa Mabilama. Papa Mabilama, le kimbanguisme se limite seulement ici en RDC où il a traversé des horizons lointains? Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois que s'il faut répondre à votre question, je vais d'abord vous rappeler ce que j'avais dit avant. J'ai dit qu'à l'époque, il y avait déjà des églises qui existaient. Il y avait des églises bantoues dont je vous parlais. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient combattre le système colonialisme. Vous arrivez encore avec ce que Papa Simon Kimbangu nous a amené. Lui aussi est arrivé dans les mêmes idées de combattre tout ce qui était colonialisme qui n'allait pas dans ce bon sens. En Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie et partout au monde, est-ce que le kimbanguisme est présent? Oui, c'est présent. Le kimbanguisme est présent par l'entremise de l'église kimbanguiste. Dans quel pays, par exemple? Plusieurs pays du monde, en Europe. Quand je parle d'Europe, je vois la France, la Belgique. Quand vous allez en Asie, en Chine, il y en a. Et quand nous allons aux États-Unis, il y en a presque partout. Donc, si on peut parler de kimbanguisme aujourd'hui, c'est même la doctrine même de l'église kimbanguiste. Donc, on ne pouvait jamais parler de l'église kimbanguiste sans le kimbanguisme. Donc, quelque part, c'est parce que le kimbanguisme a évolué qu'il a donné naissance à l'église kimbanguiste. Papa Diacre François Mabilama, nous pensons que notre émission touche presque à sa fin. Votre mot de la fin par rapport à cette thématique d'aujourd'hui? Merci beaucoup Papa Flavien. Je crois que tous ensemble nous avons essayé de décortiquer qui est Simon Kimbangu. Ensemble avec Papa Jean Lusiki, le directeur national. Je crois pour moi, ce que nous allons retenir aujourd'hui, pas retenir aujourd'hui, mais ce que nous allons compléter dans l'histoire, que tous ces mouvements qui ont existé depuis l'époque, tous ces mouvements étaient anticolonialistes, c'est parce que les prophètes annonçaient déjà que la domination qui subissait son peuple allait avoir une fin un jour. Et cette fin est arrivée. C'était une source de conflit. Et grâce à tout ça, il y a eu des relégations, il y a eu des déportations, il y a des gens qui étaient arrêtés. Et grâce à ça, voilà, c'est sous cette rubrique qu'il faut ranger le kimbanguisme. Parce que le kimbanguisme est arrivé par l'entremise de Papa Simon Kimbangu et voilà la naissance de l'église kimbanguiste. C'est avec cette joie qu'aujourd'hui, nous parlons du centenaire du kimbanguisme, du centenaire du début du kimbanguisme. Papa Flavien. Merci Papa François Mabilama et nous parlons du centenaire de l'église kimbanguiste bientôt le 6 avril 2021. Papa Révérend Jean Lusikila, directeur national, votre mot de la fin par rapport à cette émission et qu'est-ce que vous en dites? Oui, confrère, merci. Cette mission, n'est-ce pas, la thématique que nous avons développée aujourd'hui est liée justement aux festivités qui auront lieu bientôt, le 6 avril, en Kamba, du centenaire de
du centenaire de l'église kimbanguiste. C'est tout à fait normal que nous puissions expliquer à l'opinion nationale et internationale ce que c'est le kimbanguisme. Ce n'est qu'une partie, une partie de l'émission aujourd'hui, mais nous allons continuer pour expliquer aux autres. Parce que beaucoup disent que voilà, nous gardons des secrets, nous ne disons rien au public. Et pourtant, nous publions. Et les émissions passent à la télé, à la radio à tout moment. Pour le centenaire. Pour le centenaire. Donc, je me réjouis personnellement, n'est-ce pas, d'avoir participé pour la première fois, n'est-ce pas, à cette émission qui fait de l'église kimbanguiste, qui démontre les caractéristiques de l'église kimbanguiste, qui démontre, n'est-ce pas, la puissance de Simo Kimbangu, qui démontre, n'est-ce pas, la puissance également de cette église à travers le monde. Je voulais tout simplement dire que, n'est-ce pas, je me réjouis d'avoir participé à cette émission, et d'avoir à cette thématique que vous nous avez proposée. C'est tout à fait normal parce que bientôt nous allons fêter le centenaire qui aura lieu le 6 avril 2021 en Kamba. Vous y serez en Kamba, vous aussi. Nous serons en Kamba tous. Donc, vous personnellement. Et moi personnellement, je dois y être parce que on est tous chercheurs, on est tous, n'est-ce pas, appelés, n'est-ce pas, à participer, à relever, à démontrer au public, nous qui sommes de la presse, que l'église kimbanguiste existe et que nous l'aimons. Voilà. Surtout que la charge de la presse repose sur vos épaules. Naturellement, c'est ça. Donc cette charge nous a été donnée, nous a été confiée par le chef spirituel, son éminence, Papa Simo Kimbangu Kyangali. N'est-ce pas? Ok, merci cher révérend. Merci Papa Diacre François Mabilama. Chers amis de la radio-télévision kimbanguiste, cette émission, comme nous l'avons dit, touche presque à sa fin. Merci de votre attention soutenue. Mais avant de mettre complètement un terme à cette émission spéciale centenaire d'aujourd'hui, nous voulons nous acquitter du devoir sacré, celui d'adresser nos sincères remerciements au patron de la quatrième génération, patron de la Ratelki. Nous citons Papa Simo Kimbangu Kyangani, l'homme du centenaire. À l'équipe technique, nous avons eu à la caméra Papa Alphonse Landou, Papa Thierry Mengi, Papa Patience Biwaku. À la prise de son, nous avons l'incontournable Maman Clémentine Dia Nzenza. La réalisation était tenue de main de maître par le mentor révérend Pierre Giscard Mayona Ntanguzaonso. La présentation est l'œuvre de Papa Flavien Kiwaka Bwapungu Guida Ouguida. Au revoir et à la prochaine pour le deuxième numéro de l'émission spéciale magazine centenaire sur la même chaîne sacrée. Vive le centenaire !